Monsieur Abdel Jikir, réalisateur vidéo et reporter d'images télévision, est équipé d'un matériel audiovisuel de tournage et de post-production. Il accompagnera le projet de mise en place du canal local. Alors, qui peut assurer la permanence? Tout le monde. Il y aura les deux émissions, il y aura l'émission normale plus la spéciale Saint-Nicolas. Marie-Thérèse. Moi, je mercredi 18. Je reviens après pour Saint-Nicolas. Non, moi je fais le mercredi 18. Rien. Ouais, c'est moi, je prends. Pour 27, il n'y a pas grand chose, j'ai juste le film. Alors au bout d'un an de télé locale, je me suis livré à un petit calcul. Les chiffres sont quand même assez éloquents puisque nous nous sommes réunis plus de 30 fois. Nous avons produit 27 émissions plus 4 émissions spéciales. 115 sujets ont été présentés, dont une quinzaine dans la rubrique passion. 70 personnes ont été interviewées. Et en tout, ça représente pratiquement 70 heures de diffusion. Ah oui, quand même. Et combien de mètres de pellicule? Ouais, ça aurait été intéressant. Oui, c'est vrai. Ça bah, c'est pas compliqué, hein, c'est 20 minutes. Peut nous donner combien que c'est le 20 minutes? Non. Hein, c'est... Dans le code, un circuit fermé, justificatif à joindre, s'il y a... Je me disais, tiens, j'ai pas de nouvelles au courrier que j'avais. Oui. Tout simplement. Hein, téléviseur actuel. Non. Avec quel lecteur de cassette vidéo? Ah oui, il y est. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Condition d'utilisation, notamment dans le cas de ce point. Comme ça, sur ton téléphone, c'est ça. Non, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, en fait? Ils font pas les cours de la famille. Hein, comment t'as présenté ta demande? On enlève le jeu. Après des jours de pluie, les cieux ont bien voulu observer une trêve appréciée par les organisateurs de manifestations en faveur du Téléthon. Cette année, le Vélodieu avait préparé un circuit de 104 km traversant 33 communes avec 5 minutes d'arrêt dans chacune d'elles. Plus de 100 cyclistes ont bravé le froid et la brume pour répondre à l'invitation du président André Marchand. Notre caméra les a retrouvés à Manuel. Thank you.
Je le remballe. Regardez, il me loupe pas. Fort de la réussite des années précédentes, où le Téléthon avec le vélo Dieu, ça marche super bien. La première année, c'était une période d'essai. La deuxième année, on a quand même réussi le record de Meuse des recettes des manifestations. Pour donner une petite idée, plus de 31 000 francs. Donc cette année, on a voulu refaire cette épreuve vélo en changeant le circuit. La mobilisation à la mi-journée est moins importante que les autres années, peut-être dû au temps, peut-être dû à la mentalité des gens, on ne sait pas. On va voir cet après-midi, mais sinon au niveau des cyclos, tout se passe bien. Le club de Bellerey a répondu présent comme les années précédentes. On a même des gens du club de Commercy, du club d'Audinville, de la SPTT Verdun. Alors cette année, une petite particularité dans le Téléthon, c'est que lors des remerciements l'année dernière, le maire et le père Stoufflé, qui est donc curé de Dieu, avait promis de faire un petit tour de vélo avec nous. C'est chose faite aujourd'hui. Ils ont pris le vélo à Ville-en-Wavre pour se rendre jusque Bonzé, où ils ont participé avec nous au repas. On a trouvé ça sympa, tous les cyclistes les ont baptisés Pépone et Don Camillo, et on a mangé des panzani au repas à midi. Je tiens à remercier tout particulièrement la commune de Bonzé et son président Jean-Louis, et le président du foyer rural de Bonzé, Jean-Louis Mazot, qui nous ont mis à disposition le foyer pour le repas de midi. Tel repas qui a été offert par les établissements Cora, pour la deuxième année, ils nous ont fourni tout ce qu'on voulait en ravitaillement pour le repas et pour le circuit. Hutin nous a aussi fourni le fromage, et puis on a une caravane assez plaisante avec le bus qui a suivi le Tour de France et le bus du Conseil Général, quoi. T'as la peau ? Qui c'est qui a la peau ? Au cours de l'après-midi, la vente de t-shirts n'obtenant pas le succès escompté, les responsables ont dû se résoudre à faire du porte-à-porte dans certains villages. Cette méthode a permis d'écouler tout le stock, soit 400 unités. Il faut noter l'accueil réconfortant reçu à Ancemont, puis à Dieu, au terme de 10 heures de route. Finalement, le bilan est tout de même très positif, puisque 22 000 francs ont pu être versés au Téléthon. Le Vélo Dieu tient pour tout particulièrement à remercier le conseil municipal pour la subvention de 1 500 francs qu'il lui a accordée. À l'approche de la fin d'année, la municipalité et le CCAS n'oublient pas nos aînés. Samedi 14 décembre, 49 hommes et 69 femmes ont reçu leur colis de Noël à domicile. Une vingtaine de bénévoles de tous âges ont assuré la distribution. 16 personnes handicapées ont également bénéficié de cette action. Au total, 134 colis ont été remis dans une ambiance de gentillesse, de chaleur et d'émotion. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait voir Élodie et Cyril, s'il vous plaît? Okay. Élodie? Bonjour. Bonjour. Bonjour Cyril. Bonjour. Voilà, on ne se connaît pas, on représente la commune de Dieu. Oui. Et ben, je viens vous offrir un petit colis.
Voilà, et donc j'en profite pour faire connaissance, parce que certaines personnes d'un certain âge donc abandonnent la distribution des colis parce qu'ils sont bon, un peu trop âgés. Et donc il y a d'autres personnes plus jeunes qui reprennent la relève, et voilà. Bah, je vous remercie. Voilà, espérons que ça te fasse plaisir. Merci. Je suis très touché. Et là, je vous remercie franchement. Ça va, c'est bon. Et un bon d'achat de 200 francs. Ah, c'est bien. Franchement. Bonjour, je viens vous offrir un petit présent de la part de la commune de Dieu. Oui. Voilà. J'espère que ça vous fera très plaisir. Merci beaucoup. Vous passerez un bon Noël. Je vous remercie. Bah écoutez, je suis très contente. Ça me touche beaucoup. Bah c'est chouette quoi. On voit qu'on s'occupe de nous, c'est super.